Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Avant de développer ces titres, nous vous emmenons en été. Vous l'avez remarqué, l'été joue les prolongations et empiète même un petit peu sur l'automne. Aujourd'hui, il a fait jusqu'à 28 degrés en Auvergne. Une situation particulièrement appréciée dans un secteur d'activité, le tourisme. Le beau temps permet de prolonger la saison. Voyez le reportage dans l'Allier de Christian Darneville et Bruno Livertoux. À Charroux comme ailleurs, l'été joue les prolongations. L'un des plus beaux villages de France est aussi l'un des plus touristiques du département de l'Allier. En fait, c'est vraiment un mystère parce qu'on ne sait pas pour quelle raison ce clocher a cette forme-là. Une vingtaine d'artisans d'art, d'artistes et de producteurs locaux accueillent les visiteurs, pour la plupart des retraités en ce moment. Là, on a loué un camping-car. C'est beaucoup plus aisé de louer un camping-car en période creuse qu'en période... La disponibilité et le prix. Et puis cette année, on bénéficie d'une dernière saison magnifique. Quoi. Une météo particulièrement favorable à certaines pratiques, l'équitation par exemple, activité phare du château d'Ygrande, à la fois hôtel 4 étoiles, restaurant gastronomique et centre équestre. Ici aussi, des retraités sont en vacances. On a le privilège de pouvoir partir quand on veut. On décide à la dernière minute et puis on prend la voiture et puis on arrive. Et évidemment, c'est mieux hors saison, quand il fait beau. Des arrières-saisons importantes aujourd'hui pour l'activité du château. J'ai une équipe de gens qui sont employés toute l'année. Il faut faire tourner c'est un gros vaisseau finalement. Hein. Même s'il n'y a que 19 chambres, il y a quand même une structure, une logistique qui est assez lourde. Donc oui, remplir en basse saison, c'est absolument fondamental. Plus des deux tiers des professionnels du tourisme dans l'Allier pensent que la saison sera meilleure que l'an dernier. Ce bel automne devrait y contribuer. Le mois de septembre, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs on le voit, est aussi avec une belle arrière-saison. Et comme on est sur des fréquentations surtout de courts séjours, d'impulsions de dernière minute, on a senti effectivement de bonnes réservations sur le mois de septembre, voire sur le début du mois d'octobre. Loin de ces considérations, les touristes souhaitent que cet été à rallonge dure le plus longtemps possible. Et pas que les touristes.